Praise the Lord.
Hello, Excellency. So I don't know if you have an interpreter. So we just want to know what happened here with President Tshisekedi. What was the meaning of your meeting? I came to greet Mr. Tshisekedi. Je suis venu pour saluer Monsieur Tshisekedi. But also to get the benefit of getting to know him. Et aussi avoir l'avantage ou l'occasion de le connaître. As an elder person in the history and politics comme of the DRC. Une sage personne est née dans la vie politique de la RDC. But also as one of the key players in the political process that is going on now. Et comme aussi un acteur clé dans le processus politique qui est en cours dans ce pays. Mr. Tshisekedi represents one of the major groups in this political dialogue that is going on now. Monsieur Tshisekedi représente un groupe important dans ce dialogue qui est en cours. This dialogue is important in ending the term of the current president and the current government. Ce dialogue est important au moment où le mandat de l'actuel président est en train de se terminer et son gouvernement. And his group, the Rassemblement, is taking part in the dialogue with the government. And that is why we thought it was important for Mr. Tshisekedi to give us his views and to give us the direction of his party, where these changes are going to take place, and in which direction. Son groupe, le Rassemblement, en fait, ne prend pas part au dialogue qui est en train de se faire. C'est pourquoi il était important qu'on voit M. Tshisekedi pour qu'il nous donne ses points de vue sur la direction vers laquelle les changements à venir vont prendre. We are very glad that we have had an opportunity to talk to him. He welcomed us, and we have also told him that he is not only a political player, but he is a part of the custodian of the values and expectations of the people of this country. And those values are democracy and peace. Nous sommes très contents qu'il nous a reçus, que nous avons parlé avec lui, et nous lui avons dit qu'il n'est pas simplement un acteur politique, mais il est celui qui, sur qui repose certaines valeurs. Ces valeurs sont les valeurs de la démocratie. And these two values can only be accomplished through constructive dialogue. Et toutes ces valeurs ne peuvent être protégées ou accomplies qu'à travers un dialogue constructif. Alors, est-ce que nous allons vers un autre dialogue qui sera celui-ci maintenant inclusif? Are we moving toward a new dialogue which will be inclusive this time? According to him, he says the true dialogue has not started. Selon lui, il nous a dit que le vrai dialogue n'a pas encore commencé. He also says the new dialogue would require a new facilitator. Et il a également indiqué que le nouveau dialogue exigera un nouveau facilitateur. But during our stay here for the last two, now three days, there are significant groups that are saying the dialogue has started, it has taken place, and the facilitation so far has gone to some extent, and they are expecting some outcome. Mais pendant notre séjour de quelques jours ici, il y a des groupes importants que nous avons rencontrés qui nous ont dit que le dialogue se poursuit. Et jusque-là, la facilitation aussi a pris une certaine envergure. Therefore, the challenge for us in SADC is to see the extent to which we can bridge these differences. Et le défi ou la difficulté que nous avons, nous, comme SADC, c'est voir dans quelle mesure nous pouvons jeter un lien, un pont entre ces deux groupes divergents. We would want to see all the major stakeholders participate in this dialogue and at any cost to avoid any violence, because the people of the DRC are really expecting change in a democratic way, but also in a peaceful way.
parce que nous voulons que tous les groupes importants puissent participer dans ces dialogues, puissent en fait participer dans ces dialogues, car le peuple de la République démocratique du Congo espère à un changement qui doit être sur une voie démocratique. Finally, we have met many stakeholders while I was here. And for me, every time I talk to the media, I consider you as among the stakeholders. You have a special responsibility to report the truth, to report the concerns, but also to express views which will be consistent with the aspirations of your people. You are key players in this process and use that role constructively, as you have done before. Continue in that spirit. Finalement, ici, nous avons pu rencontrer plusieurs acteurs dans ces pays. Et maintenant, chaque fois quand je parle aux médias, je leur dis que vous êtes des acteurs clés dans un processus. C'est pourquoi je voudrais vous dire, jouez votre rôle correctement. Transmettez les informations exactes, les informations correctes, comme vous l'avez toujours fait dans votre rôle. Finally, I was accompanied by His Excellency the Ambassador of Zimbabwe to the DRC, the Ambassador of Namibia to the DRC, the Ambassador of South Africa to the DRC, and myself, I am from Tanzania, the Minister for Foreign Affairs, and the Acting Ambassador of Tanzania to the DRC, and meeting Mr. Tshisekedi at his home is really a legendary visit, and we are very happy to be at this place today. Finalement, j'ai été accompagné de l'ambassadeur du Zimbabwe en RDC, de l'ambassadeur de la Namibie en RDC, de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, de l'ambassadeur intérimaire de la Tanzanie. Et je voudrais vous dire que rencontrer M. Tshisekedi à sa résidence, c'est une visite légendaire. We are waiting to hear. From there, we shall have a starting point. But you should understand, in any peace processes which are complicated like this one, everything comes incrementally. But in DRC, we cannot afford it to delay too much. Even the time remaining before the end of the term is very short. And you have had, you have more than your share of crises and problems in this country. The sooner we do it, the better, and we hope we shall find a way of really reconciling those outcomes into the major negotiating, streamlining them in the process. There are definitely going to be significant outcomes in the course of this week. And from there, we'll know how to move forward with that. And certainly, we'll expect some reaction from different quarters, and we shall continue to play a role in ensuring that a consensus continues to be built so that we don't waste too much time. And this delicate situation, nothing tilts in the wrong way that can lead to misunderstandings and violence. Brièvement, attendons voir les résultats qui vont venir du dialogue. J'ai eu le privilège ce matin de rencontrer Son Excellence Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, qui m'a dit que dans 48 heures, les résultats viendront du dialogue. Nous attendons voir, peut-être qu'il sortira quelque chose de bon. C'est à partir de cela que nous chercherons à intégrer les résultats qui pourront venir du dialogue dans tous les processus et voir. Mais le problème, c'est que pour la RDC, nous ne devons plus attendre trop longtemps, parce que le temps même qui nous reste pour arriver vers la fin du mandat est trop court maintenant. Vous connaissez ce que c'est la crise en RDC. Vous connaissez toutes les facettes de la crise qui s'est passée en RDC. Donc, il est moment, il est temps plutôt qu'on puisse accélérer le processus pour qu'on puisse sortir de cette situation. The group which the president has been having dialogue, or the president's part, is not only those who are part of the presidential majority, but it's also a group which represents
more than 42 political parties, so they are also significant in their own way. But we met with them, but we also met with the parties within the Rassemblement, so we cannot just say there is only one-sided opposition. We have learned since we came here that there is diversity in the opposition, but I hope this diversity will create richness and positive outcomes, because sometimes diversity is a source of strength, and diversity is a source of new ideas. There may appear to be differences here and there, but the objectives can be shared, and that is what we see among those who are participating in the dialogue and those who are not participating in the dialogue. There is room for common ground in our assessment. Parmi les groupes qui participent au dialogue, selon les informations que nous avons pu récolter tout au long de ce jour, il ne s'agit pas seulement des groupes de la majorité présidentielle. Il y a des groupes que nous avons pu rencontrer qui ont dit qu'ils sont de l'opposition, composés de 42 partis politiques. Et nous avons appris que l'opposition en RDC, c'est une opposition diversifiée. Nous savons, dans la diversité, il y a la richesse. Dans la diversité, il y a la force. Donc, voyons voir, dans cette diversité, peut-être qu'il va y sortir de bonnes choses dont nous pourrons tirer avantage de tous. Donc, cela voudra dire qu'on doit attendre 48 heures pour avoir une réponse ou...